Dans notre second puzzle, nous avons conceptualisé la créativité comme la capacité à changer notre perception des choses. Et qui dit changement de perception, dit changement de représentation. Vous avez sûrement reconnu ? Pardon ? La tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. Revenons un instant en arrière. Y a-t-il un mode de représentation évident de ces perspectives nouvelles ? On a un côté français ou latin qui fait que on pense qu'on peut tout intellectualiser, c'est-à-dire qu'on peut aller assez loin dans des concepts de manière intellectuelle. On se rend compte qu'en créa, et on arrive à la fin à une série d'idées, on ne sait plus quoi en faire. Le but, c'est de forcer les gens à aller dans du faire, le make, une approche qu'on appelle le make-storming, qui est un peu l'anti-brainstorming. Le maquettage, c'est le fait de pouvoir, au-delà d'un concept écrit sur un papier ou qui est présent dans une tête, de pouvoir montrer d'une façon la plus élaborée possible ce qu'est le concept, pour pouvoir convaincre les gens. Le maquettage permettrait donc de représenter ces idées nouvelles. Scene 6, rolling. Action! Ajoutons une pièce au puzzle. Triple masted, double decks, 50 guns. Isn't she a beauty? Dans cet objectif de représentation, à quoi sert le maquettage? Ça va permettre aux gens de se projeter, d'avoir une idée plus concrète du produit, du service qu'ils vont avoir envie de mettre en place. De co-concevoir aussi avec des différents métiers, différentes disciplines, différentes compétences qui aujourd'hui, très souvent dans les grandes entreprises, sont séparées, silotées. Parce que chaque métier a son langage. Est-ce que tu parles à cet écureuil? J'étais Ragondin Junior. Ah, il fallait être versé dans toutes les langues forestières. Je t'en prie, continue. Parce que tout le monde n'arrive pas forcément à se projeter la même image dans la tête quand on juste sur un échange. Quand un ingénieur, par exemple, sur un espace ses outils de travail vont plus être des plans à l'échelle, des plans de masse. Un designer va plus être sur des représentations 3D. Et donc, avoir un objet commun en trois dimensions, le plus représentatif et le plus réel par rapport à la situation voulue, ça permet aux gens d'avancer beaucoup plus rapidement. La maquette est donc un objet co-conçu qui permettrait d'éviter les biais professionnels et culturels dans la représentation d'une idée. Who is this lady you have shrunk? Was she the owner of this house that you camp in front of? There's a couple more child dolls. Do not try shrink me, gypsy. Ça permet d'identifier directement des solutions, mais avec l'ensemble du champ de contraintes de tous les acteurs, avec toute leur vision, toutes leurs compétences, et du coup de créer une solution qui est la plus pérenne, la plus pertinente possible, rapidement. Et c'est ça que la maquette va permettre de cristalliser, en fait. La maquette serait donc un moyen de communication qui servirait de langage commun à des interlocuteurs issus d'univers différents. E.T. phone home. Si on se place dans le cadre du SEMLAM, les démonstrateurs ils vont être co-construits en équipe pluridisciplinaire qui vont être composée principalement du marketing, de la R&D et du design, et vont être présentés aux managers pour convaincre de la pertinence d'un concept du coup matérialisé. C'est-à-dire qu'on ne vient pas juste « Ah oui, j'ai telle idée » et on va te dire « Bon, ben, tiens, on donne 50 000 balles, dévoile pas juste sur l'idée. » Je ne suis pas sûre. Alors une maquette, pour moi, c'est avant tout un outil d'aide à la décision. C'est pas une sculpture, c'est pas un bel objet, c'est quelque chose qui va permettre de valider une étape de travail. Grâce à sa faculté de représentation, la maquette permettrait de convaincre le pouvoir décisionnaire. Mais les managers sont-ils les seuls destinataires de cet objet ? On reste sur des produits ou des services ou des espaces qui doivent servir soit un client, soit un utilisateur derrière. Et ça va également leur permettre d'aller le tester auprès de personnes extérieures pour justement avoir un feedback plutôt que d'essayer de mettre des mots qui ne vont pas forcément être compréhensibles par tous. Now watch very carefully. An ordinary tin of talcum powder. La maquette permet de faciliter le test auprès des usagers. Turn the catches like that. That's right. And open ordinarily. You got it? Yes, I think so.
Que va-t-on alors tester auprès de ses utilisateurs? L'attirance que peut avoir le produit pour l'utilisateur et de choisir les formes, les couleurs, de valider les formes, les couleurs. Qui sont mes utilisateurs? Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas? Et qu'est-ce qui va leur plaire? Qu'est-ce qui va leur déplaire? 5, 6, 7. Not quite my tempo. It's all good. No worries. Here we go. La maquette est un objet qui se co-construit pour récupérer des feedbacks, améliorer, tester. C'est donc un objet en mouvement, jamais figé, sur lequel il faudrait sans cesse revenir. Okay. Ajoutons une nouvelle pièce au puzzle. Qui dit itération dit quantité. 36, counted them myself. 36, but last year I had 37. Yeah, yes, well, some of them are quite a bit bigger than last year. I don't care how big they are. Faut-il dès lors maqueter beaucoup? On va penser à une solution de réalisation qui, finalement, une fois réalisée, une fois mise en œuvre, va peut-être pas correspondre à ce qu'on voulait vraiment montrer. Donc on va devoir itérer et finalement modifier notre première idée de concrétisation. Alors les maquettes, il faut savoir les manipuler avec précaution, non pas que ce soit un objet fragile, mais je veux dire qu'il faut savoir les doser, les quantifier, parce que ce sont des produits, des objets qui peuvent, ou des représentations qui peuvent à un moment donner l'impression que le projet est figé, qu'il est fini. L'air de rien, c'est important. Quand c'est hyper réaliste, à un moment, le client peut se dire « Ah ben ce sera comme ça, on n'a plus de marge de manœuvre ». Donc la maquette, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas un outil bloquant, mais vraiment un outil d'aide à la décision. C'est l'agilité, quoi, que ce soit dans le... Agilité, on pense souvent au développement web, mais c'est dans tous les domaines. Ça permet de ne pas rentrer trop loin dans la conception et d'après plus pouvoir faire de retour arrière, mais du coup de pouvoir tester très rapidement et du coup d'avoir une modification qui est très rapide, pouvoir retester. Nous, on est persuadés qu'il faut maqueter beaucoup et de ce fait, on essaye de se mettre dans une proposition à moyen limité. C'est-à-dire qu'on dit clairement aux équipes avec lesquelles on travaille que ce qui compte, c'est pas la finalisation de la maquette, l'aspect hyper poli, hyper sexy de la maquette, c'est plutôt ce qu'on peut en faire. Une économie de moyens qui permettrait de limiter les risques inhérents à la conception. Et j'ai une anecdote dont je me souviens, d'un projet de stand que l'on avait présenté à un client, dont on était très fiers. Les 3D étaient très très belles, un beau film, une belle animation sur 3DS Max, de beaux rendus de texture, et un bel espace peut-être un petit peu survendu. Et quand le client a vu la vidéo, son premier réflexe ça a été de se dire « Ah oui, mais l'espace de réunion là, il est beaucoup trop beau. Trop haut de gamme, trop luxueux, trop je ne sais pas quoi, en tout cas il a eu peur que ses commerciaux viennent s'y installer, y passer leur temps, presque se battre pour pouvoir y être plus que d'autres, et que du coup ils fassent mal leur travail sur le stand. Ça a tué le projet. Et j'ai la sensation que si on n'avait pas fait cette 3D, si on n'avait pas consacré de temps à faire cette belle vidéo bien réaliste, le projet aurait pu se faire. C'est plus facile de remettre en cause quelque chose d'un peu sommaire que quelque chose qui serait très, où on a passé beaucoup de temps et qu'on a affiné. Et là comme c'est encore sommaire, on n'a pas de remords sur le fait de revenir sur ce qu'on avait fait, de le reprendre et de réessayer. Les maquettes doivent-elles toutes être des corps sommaires ou peut-on imaginer des étapes dans leur construction? C'est vrai que souvent, quand on conçoit un nouveau produit, on a déjà la solution alors qu'on n'a pas forcément bien travaillé sur le problème. Bref, du coup, on passe souvent par des étapes de scénarisation, d'usage, etc. Ensuite, on passe par des monstres, c'est-à-dire des premières maquettes très rapide, mais qui permettent justement de se projeter rapidement, d'être sûr qu'on parle bien de la même chose quand qu'on fait de la conception en groupe. Et ensuite, on aime bien aller sur des choses qui sont proches du résultat final, c'est-à-dire en termes de visuel, donc par exemple quand on va travailler sur une app, on essaye d'aller jusqu'à on va quasiment tout le temps d'ailleurs sur du mock-up interactif, c'est-à-dire vraiment avoir une couche graphique, avoir une interactivité, parce que c'est ça qui va permettre de tester. Et puis selon l'échelle ou le moment où on est dans le projet, ben on ne va pas avoir besoin des mêmes outils. À un moment, un photomontage, ça peut suffire. Ça peut suffire à évaluer l'intégration du produit dans son environnement. Voilà,
À d'autres moments, on peut avoir besoin d'évaluer le volume de l'objet. Comment est-ce qu'il tient dans la main? Comment est-ce qu'il rentre dans la poche? Comment est-ce qu'il rentre dans le coffre d'une voiture? Et donc, on voit bien que ces deux outils-là, ou que ces deux besoins-là, ben, ce sont différentes formes qui peuvent y répondre. Il se transforme à volonté, court, long, carré. Mince, gros ou rond. Une maquette peut donc adopter plusieurs formes. Ajoutons encore une pièce au puzzle. La polymorphie des maquettes peut-elle s'expliquer par la pluralité des parties prenantes? C'est arriver en fait à désacraliser tous les outils qui sont utilisés, les outils finaux, et créer des outils un peu intermédiaires qui permettent à tout le monde de participer à cette conception. Vous n'avez qu'à regarder comment Frank Gehry fait les maquettes de ses architectures. C'est des bouts de mousse collés à des bouts de plastoc, à des bouts de trucs tordus. C'est pas avec une volonté d'hyperréalisme. Ce qui compte souvent, c'est plutôt donner une impression, un ressenti, une première évaluation. Prends ça, Kong, sens la puissance. Oh, on la sent bien. On n'a pas juste un designer qui est derrière son ordi, qui fait ses interfaces de son côté, donc les gens ne peuvent pas participer, les autres personnes, les clients ne peuvent pas participer à la discussion. Donc là, on a un outil que tout le monde connaît, tout le monde sait utiliser, le Velleda, tout le monde sait. Donc quand on travaille avec des clients, les gens n'ont pas du tout peur de venir interagir, de venir dire bah, « moi, je veux telle fonctionnalité ici ». Vous avez fait des Legos, vous avez fait de la pâte à modeler, voilà. Voilà, tout le monde peut maqueter parce que tout le monde, étant jeune, a fait quelque chose avec ses mains et a produit. Donc il n'y a pas de raison qu'à l'âge adulte, on ne puisse plus le faire. Donc. La forme de la maquette peut-elle s'accorder avec ses objectifs de représentation? Now you'll see that the length of the actual cleavage, if I may, is 5 inches and a quarter. Il peut y avoir une forme visuelle, il peut y avoir une forme physique. Il peut y avoir une forme physique très très réaliste, il peut y avoir une forme physique qui n'a que le volume. La scénarisation, que ce soit par passer par des storyboards, par des petits films, par des romans photos, mettre en scène en fait, ça va permettre d'identifier bien le problème, parce que c'est la première étape à avoir, c'est bien identifier le problème. Comment on a fait, Kong? Là je m'interroge, parce que sur le papier c'est pas logique. Il y a un autre format de maquette qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle les maquettes cinématiques. Ce sont des maquettes qui se soucient souvent beaucoup plus d'une articulation, d'une proportion, d'un poids, que d'un hyperréalisme. Tous les projets ne nécessitent pas le même type de maquette. Ça se voit d'autant plus quand on passe du produit à l'espace, par exemple. Parce que quand vous faites un lieu, en réalité, c'est un prototype. Bon, à moins de faire une série de maisons, mais moi je suis pas architecte. Quand je fais un lieu, souvent, ben, celui qui va être fait, il peut être dupliqué quand on fait des franchises, mais il peut être unique quand on fait un showroom. Pour faire ça, la maquette, elle peut être physique, mais elle est souvent aujourd'hui beaucoup plus efficace quand elle est en 3D. Donc elle ne va pas être matérielle. On va matérialiser, entre guillemets, on va faire une 3D d'un lieu, on va pouvoir se balader dedans, mais on ne va pas la construire en carton, on ne va pas utiliser le carton plus, mais des outils qu'utilisent beaucoup d'architectes pour présenter l'objet de leur architecture. Nous, on va plutôt être dans l'usage, dans la circulation, dans la déambulation, dans l'ergonomie du lieu. Et ça se démontre beaucoup mieux avec une navigation dans une 3D. La maquette est un objet en perpétuelle construction qui fait le lien entre le développement du concept et sa visualisation. Donc tu dessines très mal ? Non, mais c'est pour vous expliquer. Donc la télé envoie des ondes vers l'être humain. Et la victime meurt à cause des ondes. Et alors là, le type saigne à fond. Et puis on peut avoir en faisant des maquettes des bonnes surprises. Ou des détails pas attendus. Moi, j'ai le souvenir de l'usinage d'un boîtier, de carrosserie d'une pièce pour le milieu hospitalier, qui, à un moment, l'usinage n'a pas dérapé, mais l'usinage a foiré. Et en fait, je pense qu'il y a eu un problème soit de fraise, soit de taille, soit d'échelle, je ne sais pas quoi, mais qui a fait que, au lieu d'avoir une très fine trame en surface, on s'est retrouvé avec une trame beaucoup plus grosse. Je pense qu'il y avait un problème d'échelle, elle était peut-être 10 fois plus grosse, mais qui du coup a donné beaucoup d'aspérité visuelle et donc d'identité au produit, et au bilan on l'a gardé. Donc au bilan, le produit a eu une identité à l'extérieur qui n'était pas du tout celle qu'on avait initialement prévue, mais qui est arrivée par les hasards, les accidents, les erreurs, des je ne sais quoi, ou peut-être la bonne étoile des designers, qui fait que sans la maquette, on ne se serait jamais aperçu, on ne serait jamais allé dans cette piste-là,
et qu'au bilan on l'a gardé et que le produit est très joli comme ça. Il s'agirait donc de ramener du concret, un peu de hasard dans la prise de décision. So, present business is the bad guy? Le pouvoir décisionnaire doit-il forcément rester un acteur extérieur au processus de maquettage? If the construction guy said something to present business, what would he say? On observe, et ça, de toute façon, on le sait depuis un moment, qu'il y a une déconnexion complète aujourd'hui entre l'intellect, la conception, et le faire, la production, et que ce soit même la production du prototype, c'est complètement déconnecté. Or, l'être humain est foncièrement envie de créer, a foncièrement envie de réaliser lui-même, toute l'artisanat, et dans toute l'histoire de l'humanité, l'homme a créé, il a eu besoin de créer. Quand on leur dit, si c'est à vous de faire, voilà, vous avez les ciseaux ici, la colle ici, faites votre scénario, vous avez des personnages à découper, vous dessinez s'il vous manque des choses. Ils sont un peu, on voit les regards un peu paniqués au départ, et en fait, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et les gens, quand ils commencent à être dedans, eh ben, ils ont des trésors insoupçonnés de créativité, et on s'en fout que ce soit bien dessiné, que ce soit, voilà, que ce soit un bonhomme bâton. En fait, ils sont comme des gamins, ils prennent les ciseaux, ils vont découper des choses, du matériel qu'on n'avait même pas amené, qui sont des choses qu'ils trouvent sur place. Ils vont aller récupérer des feuilles sur la plante pour pouvoir faire les coller sur leur scénario. Et surtout, ils reprennent ce goût de faire, et c'est assez impressionnant, et moi ça m'étonne à chaque fois, ce qu'ils sont capables de faire alors qu'au départ, ils sont pas designers, ils sont pas dessinateurs. Et... You are the most talented, most interesting, and most extraordinary person in the universe. And you are capable of amazing things. La maquette réconcilie objet et idée, conception et fabrication. Elle nous rassemble autour d'une vision commune. C'est donc la colonne vertébrale autour de laquelle se construit la démarche créative. Et maintenant une petite colle juste pour rire. On est arrivé. Qu'est-ce qui m'a donné le plus de mal d'après vous? La Tour Eiffel ou Concorde? On est arrivé. Ah oui, déjà. On n'a pas vu le temps passer, dis donc.